gloire soit rendue au Dieu Tout-Puissant de Papa Florian. Bishop, bonjour. Bonjour, Papa Adou. Peuple d'ici, peuple de la diaspora, soyez salués avec le Dieu de Papa Florian. Nous irons encore plus loin. La Pâque approche, Bishop. Oui. Et la Sainte Cène aussi. Chacun doit communier. Mais comme le chemin du ciel, ce n'est pas Abidjan seulement, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est tout le monde entier. Quelle disposition pour tous les enfants du chemin du ciel, pour tous les frères et sœurs qui sont de la diaspora, quelle disposition pour eux qui ne pourront pas venir assister à cette Sainte Cène. Gloire au Dieu de Papa Florian et bonjour peuple de Dieu. Alors le 8 avril sera notre jour de communion. Nous allons partager le repas du Seigneur. Oui. Nous allons participer à la table du Seigneur le 8 avril. Du coup, tous nos frères et sœurs, surtout ceux de l'extérieur, ceux de la diaspora, ceux qui sont à des kilomètres, qui ont été baptisés par les mains de Papa Florian, vu que vous ne pouvez pas venir prendre la Sainte Cène ici, vous allez le faire chez vous, à la maison. C'est-à-dire, vous allez suivre le culte et au moment de la Sainte Cène, vous devez avoir du jus de raisin, un jus sans alcool. Oui, jus de raisin. Jus de raisin. Jus d'ananas. Peu importe. Avec du pain, mais sans la levure. Voilà, avec du pain sans la levure. Parce que le corps du Christ, la levure représente le péché. Donc le corps du Christ, il est sans péché. Oui. Donc le pain sans la levure. On trouve ça dans les boulangeries. On trouve dans les boulangeries. Si vous partez dans une boulangerie, demandez le pain sans levure. Et vous prenez vous avez mis le jus dans un verre parce que vous préparez votre Sainte Cène et le pain est juste à côté. Vous prenez maintenant votre sang de Jésus et puis vous mettez un peu, quelques gouttes dans le jus. Comme si vous étiez béni, sanctifié. Voilà, sanctifié. Ce repas que vous allez prendre. Donc vous mettez quelques gouttes de sang de Jésus dans ce jus-là. Le pain, je mets un peu sang de Jésus dans ma main comme ça et puis voilà je verse comme ça dessus. Comme si je disais au Seigneur, je te recommande ce repas. Oui. Voilà, c'est comme cela vous allez procéder. Et après quoi, quand tu es en train de prendre le pain, toi qui es baptisé par le Dieu de Papa Florian, par le chemin du ciel, le pain là, il faut prendre 3 morceaux. Tu prends 3 morceaux de pain et puis tu mets dans la bouche. Je prends le corps du Christ. Le corps du Christ. Tu prends aussi le jus qui est béni parce que tu as mis le sang de Jésus dedans. Mmh. Et tu mets aussi pour accompagner, je bois le sang du Christ. Christ. Ça c'est pendant que Papa Florian... Pendant que Papa Florian est en train de donner oui. à ceux d'ici, vous aussi étant là-bas, vous faites pareil. Pareil. Maintenant, si c'est trouvé que vous êtes parti au travail, vous n'avez pas la possibilité de suivre le culte en même temps que nous, quand vous revenez à la maison, vous suivez le culte et arrivez à cette étape-là, vous allez faire tout ce qu'on vient de vous expliquer. Pareil. Pareil. Voilà, pour que tous les enfants du chemin du ciel, sur toute la surface de la terre, participent à la table du Seigneur. Du Seigneur. Donc, peuple de Dieu, voici comment la Sainte Cène va se faire. Va se faire. Mm-hmm. Ça, c'est pour les baptisés. Les baptisés du chemin du ciel. Du chemin du ciel. Maintenant, s'il se trouve que dans votre maison où vous êtes, d'aucuns ne sont pas baptisés au chemin du ciel, c'est vos enfants, c'est vos maris qui veulent aussi communier. Le reste de la Sainte Cène, le reste du jus, vous le partagez pour que chacun aussi puisse en prendre. Ceux à qui tu vas donner, qui n'ont pas été baptisés, eux n'ont pas besoin de prendre 3 morceaux. Oui. Toi, tu prends les 3 morceaux parce que tu as été baptisé par le chemin du ciel. Eux, tu peux leur donner 1 morceau. Voilà, chacun, prends 1 morceau, prends un peu de jus et puis c'est tout. Voilà, pour que toute la maison soit bénie, au même titre. Donc, vous donnez à vos frères, à vos sœurs. Voilà. Voilà, pour que vraiment la faveur de Dieu soit dans votre maison. Voilà. Amen. Amen.